Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui sujet important, la séance de cotes, parce que je remarque que beaucoup de gens ne savent pas comment travailler en cote ou quand ils le font, ils le font pas forcément efficacement. Je dis pas mal, je dis pas efficace. Bon évidemment ça dépend de ce qu'on veut travailler lors de sa séance de cotes. Donc on va parler des types d'entraînement que l'on peut faire avec des cotes, de donner les bénéfices de chacune des méthodes et euh, ce qu'on peut employer aussi lors de sorties longues et tout ça, voilà comment optimiser du coup son entraînement en cotes euh, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc vous le savez, on parle généralement de VMA, donc la vitesse maximale d'aérobie à laquelle on peut relier aussi la fréquence cardiaque parce que bon c'est toujours pareil hein, aux allures sur le plat, plus ta fréquence cardiaque est faible, à certaines allures moins tu consommes, c'est pareil en VMA. Plus ta VMA est haute, plus à vitesse nominale bah, tu voilà, tu es confortable, blablabla, donc c'est à peu près voilà, VMA, FCM c'est pareil. Mais on va parler aussi aujourd'hui de VMA ascensionnel, alors c'est une petite nouvelle donnée qui est apparue euh, ces dernières années qui est une, une VA, une vitesse maximale d'aérobie mais en montée donc ascensionnelle en montée voilà et euh, en gros ça reste du travail de cardio mais spécifique à la montée. Le but de cette vidéo donc c'est de vous expliquer comment être meilleur en côte par différents types d'entraînement. Donc voilà si on veut s'améliorer en côte il faut que cette vitesse maximale d'aérobie euh, ascensionnelle, soit plus haute possible. Donc après, si je vous dis, c'est difficile de jauger parce qu'il y a différents pourcentages de montée, différents types de difficultés et tout ça. Mais je vais vous donner quatre types de séances qui peuvent être appliquées pour maximiser votre vitesse maximale d'aérobie en montée. Parce que ça me fait vraiment de la peine de voir des gens qui se font 20 fois la même cote pour faire 1000 ou 2000 mètres de dénivelé sur leur séance euh, sur je sais pas 5 ou 6 km euh, de, de distance. Et en fait, vous allez faire ces cotes là en marchant. Alors typiquement, c'est le premier type de séance dont on va parler. Pour moi, ça c'est pas une séance de cotes optimale pour développer son aérobie. C'est vraiment une séance purement de musculation. Alors, euh, je ne critique pas les gens qui font ça, mais en fait, le problème de ce genre de choses, c'est que on va marcher lentement euh, donc on va vraiment travailler les appuis et les muscles donc on va être dans des cotes de type 20 allez 15 20% voire beaucoup plus mais en soi ça va pas nous aider à développer notre aérobie si vous voulez optimiser ce genre de séance donc c'est à dire de la cote lentement en marchant c'est à dire entre 2 3 voire 4 km heure c'est de vous trouver une ascension qui va vous durer une heure une heure et demie à partir d'une demi-heure allez c'est potable parce que justement là le fait de marcher longtemps en côte ça va être carrément Optimale pour développer votre capacité physique. Le fait de faire des répétitions courtes en marchant, c'est juste, même pas de la puissance en fait, ça donner juste, enfin c'est de la puissance mais c'est pas de l'explosivité. Et ce qu'on cherche un peu là dans le développement de la VMA, c'est de l'explosivité. Donc voilà, ce genre de séance où vous grimpez 20 fois la même cote en marchant et qu'elle fait 200 mètres, c'est pas ouf. Si vous avez la même chose qui dure une demi-heure, une heure, voire une heure et demie, c'est une séance pertinente. Sinon, voilà, comme je vous le dis, enfin, c'est un peu brut, mais moi je qualifie ça plutôt comme de la musculation, et quitte à faire de ça, autant aller en salle, parce que du coup, on va pouvoir vraiment travailler spécifiquement des groupes musculaires. Bon, ben, voilà, ça c'est la première parenthèse. La deuxième type de séance, ça va être, en fait j'ai parlé de 4, mais j'en aurais peut-être que de 3, ça va être la course rapide en côte. Alors, c'est comme une séance de fractionner court à plat, sauf qu'on va le faire dans une cote de 5, 10 jusqu'à 15% maximum. Alors après, ça peut être une cote à, euh, à dénivelé variable, enfin, à, à pourcentage de, de grimpettes variable. Alors, ces séances, ça va être quoi Ça va être de faire un fractionné entre une... À 3 minutes maximum, mais à des allures très hautes. C'est-à-dire qu'on va grimper jusqu'à 90% de fréquence cardiaque maximale. Alors, je n'ai pas l'équivalent en VMA, mais bon, ça doit faire un bon truc. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas marcher, on ne va pas courir comme on court sur le plat, mais on va chercher 3, 4, voire 5 km/h de plus que sa vitesse du plat. Alors, le but de ces trucs-là, c'est que ça va vous sécher quand même un bon coup. Alors, ça, faut pas déconner. Vous savez bien, vous allez courir en montée, ça va bien cramer. Alors, le but, c'est que sur une séance de 1 minute, on va faire du 1-1. C'est-à-dire qu'on va prendre le même temps pour monter et pour descendre. Mais à partir de 2 minutes ou 3 minutes, c'est qu'on va prendre plus qu'une minute 30 pour redescendre. Bon, sur une montée de 3 minutes, c'est chaud hein, de redescendre en une 30. Hein. Donc ça veut dire que ça va optimiser parce qu'il ne faut pas négliger le travail de descente. Et pour revenir sur le premier type de séance type musculation, là c'est pas mal, mais d'essayer d'envoyer un peu dans ces gros dénivelés, de travailler sa descente, parce que justement on ne travaille jamais assez ses descentes à faible vitesse du coup, mais on peut aussi les travailler à haute vitesse, mais ça c'est plutôt le but de cet exercice-là qu'on est en train de voir, donc les ascensions rapides et descentes rapides. Mais le but c'est de stimuler en plus, d'arriver en haut cramé, de redescendre à une bonne vitesse tout en récupérant. Alors là c'est ça qui est le plus difficile, mais vous allez voir votre corps va s'habituer, c'est que même si vous descendez, vous allez monter à 14 km, Heure. si vous descendez à 12 km heure voire plus parce qu'on est en descente, on peut aller monter 14, 15 ou 16 km heure, eh ben, vous allez euh, réussir au bout d'un moment à faire baisser votre fréquence cardiaque. Parce qu'en descente, le corps est beaucoup plus porté par la descente, donc on a moins d'efforts à faire. Alors attention, hein, je petit bémol sur les terrains très techniques ou quand on est très concentré sur ce qu'on fait, eh ben, notre fréquence cardiaque a tendance à vraiment beaucoup augmenter. Et du coup, voilà, la récup n'est pas forcément optimale. Et quand on arrive en bas et qu'on est essoufflé et qu'on entend le bip qu'il faut remonter déjà, bon voilà, ce n'est pas forcément simple. Donc voilà, alors ça c'est la séance la plus optimale pour développer votre explosivité, votre VMA ascensionnelle et bah pour bien vous faire mal aux gens. Alors ça c'est la séance courte, on a vu la séance muscu et là on va voir la séance plutôt moyenne. On a déjà parlé de la séance longue aussi en faisant un petit aparté dans la partie muscu mais la séance moyenne c'est euh, trouver des ascensions entre 6 et 8 minutes et de se faire des descentes, des bon, descentes on s'en fout en fait. En gros on monte pendant 6 à 8 minutes en trottinant Hein, parce que là, on ne va pas se casser. Donc, on cherche plutôt des portes entre 10, voire 25% maximum. Hein, entre 5, 10, 15%, c'est bien. On peut encore trottiner. Parce que 6-8 minutes à trottiner dans la porte, c'est n'est euh, pas facile. Et jusqu'à 25%. Donc là, on va pas travailler l'explosivité. Hein, ça, on le garde vraiment pour le, le premier entraînement. Donc, les cordes courtes. Mais on va travailler vraiment le volume, l'aérobie pur là, c'est comme si vous faites plus ou moins une séance de seuil en côte. Euh, du coup, c'est-à-dire que voilà, les allures sont beaucoup plus calmes, hein. voilà, on n'est on est pas à son seuil de base, on est vraiment au plus bas, on est en allure, on est ce qu'on aurait au plat sur un ultra trail, donc vraiment en endurance active. Donc, on va être à 8 km heure, vraiment max, et on va grimper. Du coup, on va travailler les muscles on va travailler le cardio et c'est une descente les plus optimale, bon après je vous dis c'est pas forcément simple de trouver 6 à 8 minutes de, de grimpette quelque part, la descente on va la faire à un rythme normal, décontracté pour récupérer, pour pouvoir arriver en bas sereinement et pouvoir remonter de suite, alors la descente hein, comme je vous dis c'est toujours important, on travaille jamais assez ces descentes, alors Juste euh, une petite note, euh, essayez, vous pouvez apprendre aussi dans ce genre de séance où vous faites des ascensions euh, de 6-8 minutes, c'est qu'au lieu de courir, c'est de marcher vite. Parce qu'il vaut mieux, comme je dis assez souvent, marcher à 6 que de courir à 7 km heure. C'est-à-dire que si vous courez à 7 km, heure, vous allez cramer beaucoup plus d'énergie que si vous marchez à 6. Mais marcher à 6 sans monter, c'est pas toujours facile. Donc là, cette séance moyenne, euh, entre 6-8 minutes de montée, vous pouvez, les premières par exemple répétitions, euh, le faire. Euh, en courant en trottinant et quand ça commence à devenir prime le faire en marchant mais en vous gardant un objectif d'essayer de marcher à 6 km heure. vous verrez que c'est super parce que pendant les courses vous allez avoir des gens qui vont être obstinés à vouloir courir hein. voilà, bon, on, parfois on est comme ça on a juste toujours envie de vouloir courir dans les côtes mais quand on arrive en haut, on est complètement cassé on n'arrive pas à relancer à l'allure qu'il faudrait si vous savez marcher vite en côte, c'est un avantage parce que d'une, bah, vous avez quand même tapé dans la machine hein, parce que marcher à 6 en montée c'est pas simple ça fait passer beaucoup plus vite les faux plats aussi hein, en passant, mais euh, c'est euh, meilleur parce que dans le sens où vous avez moins tiré sur la machine, quand on marche, on tire moins sur les muscles et on se fatigue moins. Et quand vous êtes en haut, vous êtes beaucoup plus frais et vous allez pouvoir repartir directement. Et je vous que sur la longueur, c'est quand même, euh, voilà, c'est un, un bon, entre guillemets, sacrifice euh, pour la suite. Hein, parce qu'on a notre bagage musculaire en début d'une course et on va tâcher de ne pas tout dégrader dès le départ. Quoi. Donc voilà, vous pouvez, lors de ces sens, surtout, vous pouvez vraiment vous entraîner à marcher à 6. Et, euh, et vous verrez que c'est pas si simple au départ quand même de, de marcher assise dans des cotes quand même assez conséquentes. Alors pour revenir sur ce côté musculation des grosses cotes qui font mal. Euh, donc je dis pas que ça sert à rien. Hein, je, je réitère, c'est un type d'entraînement, mais ça peut être très intéressant de faire ce genre d'exercice quand vous faites des sorties longues ou des randos courses. Alors, je parle pas de faire des répétitions, mais vous courez, et quand vous arrivez, vous savez, bon, vous faites une sortie vallonnée, un fartlek ou une sortie longue euh, vallonnée, enfin, vous avez... Donc, vous faites de vos longues ascensions, et de temps en temps, pour éprouver un peu vos muscles, et c'est génial de le faire dans le cas d'une sortie longue. Alors, dans le sortie longue, je vais vous dire, essayez de, de varier un peu tous les plaisirs, mais on fera jamais un gros sprint dans une montée en sortie longue. Hein. Mais on peut faire des marches à 6 km heure, on peut trottiner dans des faux plats. Et on peut se prendre des gros pétards. Parce que le fait de le faire ça dans une sortie longue, c'est qu'on va éprouver nos muscles qui sont déjà éprouvés par quelques heures d'effort. Et là, c'est pertinent de se faire un bon gros mur, un bon gros pétard. Parce que là, on va choquer notre corps. Et c'est toujours pareil, on, on veut chercher à choquer le corps pour qu'il apprenne, pour qu'il s'habitue à des efforts et que derrière il récupère mieux et qu'il apprenne et qu'il soit plus performant dans ce genre de choses. Donc oui, n'hésitez pas dans vos sorties longues, à un moment, vous claquez un bon gros pétard, vous verrez que ça va être pénible, ça ne va pas être forcément un bon moment, on parlera des techniques de monter plus tard, mais voilà, les mains sur les genoux et puis on grappe. Mais voilà, c'est très pertinent de faire ce genre de, de donc essayez dans vos sorties longues de euh, varier les plaisirs hein, donc entre les sorties des, des cotes très longues, des cotes courtes euh, et des cotes très courtes euh, verticales. Mais voilà, c'est vraiment pertinent du coup de, de user nos muscles lors d'une sortie longue justement parce que comme vous tirez jamais trop dans les muscles, on a un bon niveau de stabilisation et là vous claquer un peu vos muscles dans une belle cote sans trop forcer et, euh, et voilà après vous essayez de relancer tout ça donc là c'est pertinent de le faire dans, dans, dans ce cadre là euh, voilà bon c'était un petit peu fouille non c'est pas trop fouille ça c'était presque organisé mais euh, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup d'informations donc n'hésitez pas à faire du si vous voulez vraiment être performant efficace et euh, explosif vous faites de la répétition à fond de balle dans les montées ce sera la chose qui sera la plus efficace en termes de vma ascensionnel je parle mais pas de force musculaire. Donc voilà toutes ces infos pour que vos futurs entraînements en cote soient pertinents, efficaces et que vous soyez des monstres en montée. J'espère que ça vous a plu et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao